Good morgen, Aleid, El Messius, aujourd'hui, le Nishmat Richard Ben Fortune Mazal, Claude Israq Ben Fortune Mazal, et Rachel Batsara et Avraham Ben Shushan. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Rosh Hashanah, Perek Aleph, Mishnah Zain, Av uvno sheraou et achodesh, yelechou, lo shem itztarfim zeim ze, la shem ypassel echad mehem, itztaref hasheni im acher. Rabbi Shimon Omer, Av uvno, vechol akrovin, kshirin ledout achodesh. אמר רבי יוסי, מעשה בטוביה הרופא, שראה את החודש בירושלים, הוא ובנו ועבדו משוחרר, וקיבלו הכהנים אותו ואת בנו, ופסלו את עבדו, וכשבאו לפני בית דין, קיבלו אותו ואת עבדו, ופסלו את בנו. On parle dans notre Mishnah des liens de parenté entre les témoins. En liant ça avec le sujet des Mishnah précédentes, à savoir, on avait parlé qu'on a le droit de transgresser Shabbat. Il faut transgresser Shabbat même pour partir témoigner au Beth Din qu'on a vu la nouvelle lune. Comme ça, on va fixer le Rosh Chodesh. La Mishnah maintenant va me dire, tu sais, même si Av uvno, un père et son fils, Sheraou et Achodesh, qui ont eu ensemble le mois, Yelechou, ils partiront, même si c'est un père et son fils, et bien que Lo Shemitztarfim Zeimze, bien qu'ils ne pourront pas s'assembler ensemble pour témoigner. Mais malgré tout, il y a un intérêt à ce qu'ils partent tous les deux. Et la chimie passe le chadmehem. Au moins, l'avantage sera que s'il y en a un qui sera invalidé, et là, cependant, Shim y passel, s'il y en a un qui sera invalidé, Echadmehem, un d'entre eux, Itztaref, Hasheni imacher, le second pourra s'associer avec un autre pour témoigner. Soit on explique d'abord. Notion de base, Loyumtu avot. Al banim ou banim lo yumtu al avotam, c'est un pasouk qui m'enseigne que les interdits de lien de parenté entre les témoins, deux témoins qui viennent témoigner au Beth Din, pour tout témoignage on a besoin de deux témoins, il faut qu'il n'y ait pas de lien de parenté entre eux. Il y a plusieurs définitions exactement, un père et son fils, deux frères, des cousins, ça dépend aussi du niveau de parenté. Il y a toute une sugya dans ma batra spécialement, pas grand-chose de ça. Donc ils ne peuvent pas témoigner. Selon ce principe, quand tu vois la lune veille de Shabbat, ou même dans la nuit, tu as le droit de partir, tu dois partir tout de suite et arriver au Beth Din de Yerushalayim, comme ça on va fixer le Rosh Chodesh à partir de ton témoignage. Maintenant, un père et un fils rentrent dans la synagogue le vendredi soir, ils voient ensemble la lune. Est-ce qu'ils doivent se dépêcher de partir ou pas? S'ils arrivent tous les deux ensemble à Yerushalayim, ils ne pourront pas témoigner. De toute façon, il faudra quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il part quand même? La Mishnah me dit oui, tu pars quand même. Tu sais pourquoi? Parce que finalement, toi, tu vas partir, bon, toi et ton fils. Peut-être que finalement, quand toi, tu vas leur témoigner, tu vas te tromper, tu vas dire je l'ai vu. Tu vas poser des questions aux témoins, au témoignage. On aura l'occasion de voir dans le Perek Bet le nombre de questions qu'on lui posait. Peut-être que finalement, tu as mal vu, tu vas t'embrouiller, tu vas mal t'exprimer, tu ne pourras plus rattraper ce que tu as dit, et donc tu vas être invalidé. Au moins que ton fils soit là et qu'il puisse lui aussi témoigner. En s'appuyant sur le fait qu'à Yerushalayim, il y aura sûrement aussi une autre personne qui viendra d'ailleurs aussi, qui sera venue pour témoigner. Et donc comme ça, vous pourrez faire un témoignage de deux personnes ensemble. D'accord? Et sur ça, il y a Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dit, « Avuvno echol akorovin kesherim le'edut achodesh. » Un père et son fils et tous les problèmes de lien de parenté ne sont pas en vigueur, mais ils sont tous « kesherim le'edut achodesh. » Ils sont aptes à témoigner ensemble. Il y a une halakha particulière, selon Rabbi Shimon, il dit ça dans Pasuk. Il y a marqué dans la parashat Achodesh, la parashat de Bo, Achodesh Azé Lachem, Rosh Chodashim. De là-bas, on apprend que Hachem, il a montré le renouvellement lunaire à Moshe Rabbeinu et à Aaron, et il lui a dit, le mois sera pour vous, c'est vous qui le fixerez. Rosh Chodashim, le mois de Nissan, ce sera la tête de tous les mois, et ainsi de suite. Et de là-bas, on apprend, Achodesh Azé, Kazere et Kadesh, quand tu verras le renouvellement de la lune comme ça, tu sanctifieras le nouveau mois. Maintenant, le pasouk qu'il a commencé, Hachem, il parle à Moshe, il leur dit, Achodesh Azé, Lachem, à vous. Ça veut dire quoi, à vous? Deux interprétations. Selon Rabbi Shimon, le pasouk qu'il vient de dire, vous-même, toi, Moshe Aaron, vous pourrez même, si vous voulez, témoigner pour le témoignage du renouvellement lunaire, parce que, pour le renouvellement lunaire spécialement, il n'y a pas de problème de lien de parenté. Ça n'invalide pas. D'accord? Il y a d'autres problèmes, comme on va voir dans la prochaine Mishnah. Pour d'autres personnes qui pourront témoigner, mais en tout cas, les liens de parenté n'est pas une cause qui invalide les témoignages, donc ils peuvent témoigner en même temps.
Amar Rabbi et Chachamim, ils pensent que dans la Chodesh Azalachem, c'est vous les Gdolé Ador qui devez faire décider le début du mois, d'où la nécessité de partir constamment là où se trouvait le Nassi, le grand de la génération, et c'était lui qui dirigeait le tribunal qui décidait comment établir accepter le Rosh Chodesh et décider pour le compte des mois, le compte des années. Ça, donc on a une marloquette, d'accord? Donc, est-ce que les liens de parenté invalides ou pas? Et sur ça, Rabbi aussi nous raconte une histoire. Masé Betovia au fait, il y avait une histoire, une anecdote, avec Tovia le docteur, il y avait un docteur à Yerushalayim qui s'appelait Tovia, Sheraet Achodesh Birushalayim, qui a vu le renouvellement lunaire, le nouveau cycle, Birushalayim à Jérusalem lui-même, et donc il a dû vouloir aller témoigner. Et lui, quand il a vu ça, il était où? Uvno ve'avdo meshuchar. Il était lui, avec son fils, ve'avdo meshuchar. Et son esclave qui était affranchi. Ils étaient les trois ensemble, ils marchaient. Ils ont vu le renouvellement lunaire, ils sont tous les trois partis au Beddin à l'Eshkat Agazit, à côté du Beth Amikdash. Et là-bas, quand ils sont arrivés, ve'kiblo akonim oto ve'et beno. Et là-bas, ils ont rencontré un groupe de Kohanim qui était là-bas. Et les Kohanim, ils leur ont dit, ah oui, toi et ton fils, tu peux témoigner, mais l'autre, l'esclave qui a été affranchi, non, pas du tout. Il n'est pas cachère. Il n'est pas apte à témoigner. D'accord? Parce que ça, c'est aussi déduit du pasouk, entre parenthèses, que c'est Achodesh Azelachem. C'est vous, comme ça, il déduit cet avis-là. Achodesh Azelachem. D'un côté, vous, deux frères, mais aussi, qu'ils soient aussi de bonnes filles. De bonne ascendance, d'accord, et que ce ne soit pas un esclave affranchi ni un converti, pour la Edota Chodesh, spécialement il est invalide selon Rabbi Shimon. Ça, c'est les Kohanim qui ont tranché comme ça, qui ont cru trancher, parce qu'on ne leur a pas demandé leur avis en fait. Ils me demandent toujours pourquoi est-ce que les Kohanim avaient leur grain de sel à dire dans l'histoire. Mais en tout cas, eux ils ont dit donc, les Kohanim ils ont dit, ah oui, toi et ton fils, vous pouvez témoigner, mais l'autre, l'esclave affranchi, non, il n'a pas de Yichus. Il n'a pas une bonne généalogie. Ou pas Slo et Avdo, ils ont invalidé son esclave. Pour Shebaoul, il finit Beddin, et quand après ils sont finalement rentrés dans l'Eshkat Agazit, là-bas il y avait le Sanhedrin, eh bien c'était tout le contraire. Kiblo Oto et Avdo, ils ont dit, toi, avec ton esclave, vous pouvez témoigner. Ton esclave, une fois qu'il a été affranchi, il n'y a aucun problème. Il est apte à témoigner, il n'y a pas de problème. Comme pour tous les autres témoignages de la Torah. Par contre, ou pas Slo et Bono, ils ont dit, mais ton fils, il ne peut pas témoigner avec toi. C'est-à-dire, tu peux soit ton fils avec l'esclave, soit toi avec l'esclave, mais sûrement pas toi et ton fils, et même si vous êtes trois, vous ne pourrez pas témoigner tous ensemble, parce que les liens de parenté invalides. Donc, Rabbi aussi rapporte une histoire pour nous dire que le Beddin de Yerushalayim pensait effectivement comme Chachamim et pas comme Rabbi Shimon. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha comme tout, c'est là.